Ok, on est parti avec un niveau 6. On récupère déjà ces deux. On attend que le crabe s'en aille. Peut-être en utilisant la boule. En balançant, oui, notre boule sur l'arbre, cela fait tomber, comment dire, une noix de coco qui fait fuir notre petit crabe. Ok, on continue. Alors, on récupère une corde également. Alors. Alors ici, on va pencher notre téléphone vers nous pour faire venir la bouteille. On va prendre la bouteille. On va gratter un peu le sol ici pour récupérer ce coquillage. On va faire maintenant. On va casser sans doute la bouteille sur. Ok, on récupère donc le palmier, les couleurs, d'accord. Ça va sans doute nous donner le code, ok. Donc, ça serait quoi le code? Donc si on utilise ça sur la... Ok, la corde maintenant, d'accord. Cela va nous permettre donc de... Ah oui, d'accord. Ok. Ok, on a bien sûr la mèche qu'on a imbibée d'alcool. Ok, il nous manque... le caisson de bouteille qui va nous servir de comment dire de but pour amener la mèche et la mèche. Voilà, donc là on y va. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une corde qu'il faut récupérer, une pelle qu'il faut récupérer. Alors, on va tourner, la pelle va nous permettre de récupérer le scaphandre. Le scaphandre. Alors, souvenez-vous donc de ce code, le palmier au milieu noir, à la fin c'est noir, donc ça ferait 2, 5 et 3, si on suit bien. Quelque chose comme ça en tout cas. Alors ensuite, regardez ici, 3, 4 et 2, ok, sur ce petit palmier à droite là, donc il y a des signes qui sont gravés, d'accord, donc on retrouve les mêmes chiffres, 3, 4 et 2, 3, 5 et 2, alors maintenant la question c'est de savoir dans quel ordre il faut les utiliser, alors, voyons voir. Si on retourne là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a ici aussi des choses qui sont dans le même ordre. 3, 5 et 2. Ok, donc... ok, donc sur le palmier, on a ce nombre-là. Sur le rocher, on a ce nombre-là. Il faudrait voir maintenant sur un tonneau. Où est-ce qu'on avait un tonneau? Ici, et là, pareil. Ouais, d'accord.
Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc. Ok, donc il faut compter. Alors, palmier 2. Donc. Sur le tonneau. C'est assez compliqué quand même. Alors. Sur le palmier, du coup. Donc là, sur le palmier. Il y aurait 5. Sur le rocher, il y aurait. Ici sur le tonneau, il y aurait. Ok, donc ça veut dire quoi? Waouh, c'est chaud quand même. Bon, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la logique là. Donc ici, on a un rocher, on a 3, 5, 2 de la même façon. Qu'on a la même chose sur ce palmier. Et qu'on a la même chose sur ce tonneau. Non, sur ce tonneau, on n'a pas 3, 5, 2. Sur ce tonneau, on a 5, 1, 1, 2. Ici on a bien 3, 5, 2, et ici on a bien 3, 5, 2. Et vous allez devoir me croire sur parole, les petits loups, mais là j'avoue que je sèche un peu. 5, 1 et 1. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils ont réussi à calculer. Donc ici, on va pouvoir aller mettre les cristaux sur la tête du, comment dire, du petit loup. Donc, ouais. Alors là, ici, il va falloir. Être intelligent. Voilà. Voilà. Là, normalement, ça devrait marcher. Voilà, donc un peu de fausse secoue pour avoir les choses en bon ordre. On ouvre ces deux. On les récupère. Alors maintenant, il va falloir refaire un autre. C'est-à-dire le carré du bas. On mélange.
changer. Non. Voilà, donc là, on peut voir. Voilà, donc là, là, on va pouvoir prendre le scaphandre. Ok, donc là, il faut un truc très classique. Et voilà, ça roule et on peut y aller.